Bonjour à tous et bienvenue. Nous y voici enfin. Épisode 12, journée 17. Et normalement, aujourd'hui, notre équipage devrait enfin pouvoir quitter cette base pour un retour sur Terre. Il est 7h10 et certains sont déjà debout. Sauf que malheureusement, ce ne sont pas ceux qui m'intéressent. Alors quand je vois que mon cher Harry est en train de dormir alors qu'il a fini de dormir, moi je dis tu vas te lever, aller aux toilettes et prendre ta douche et évite ton attaque. Mike, toi aussi t'es debout, alors va aux toilettes. Oui, on n'a pas une minute à perdre, c'est comme Sarah, toi aussi, direction les toilettes. Franchement, après pour les autres, faites ce que vous voulez. Alors, nous pouvons pas du tout améliorer puisque nous avons fini l'avant-dernière amélioration. Et du coup, il nous manque seulement la dernière amélioration, mais qui sera faisable qu'au niveau 10. Et pour le moment, justement, c'est ça, c'est que nous voulons atteindre le niveau 10. Alors, il est temps d'aller explorer l'espace. Et pour pas que Sarah perde une seule minute, elle va venir relire son livre, en espérant qu'il fasse encore augmenter un petit peu la fuséologie, et ça, j'en suis moins sûre. Aïe, pas du tout. Il fait plus rien augmenter. On va envoyer un message de détresse. Mais non, mais c'est horrible. En fait, ça sert à rien ce que tu fais. Bon, tant pis. Tant pis et pas tant pis, parce qu'en fait, on n'a pas d'autre moyen que de faire... Oh là là, écouter le lancement spatial, je sais pas. On va y aller seul. Peut-être que ça peut faire quelque chose, j'en ai aucune idée. Il n'y a aucun autre moyen que la fusée maintenant, en fait, pour augmenter. Ok, donc en fait, tout n'est pas forcément joué, hein. Par contre, toi, tu vas venir entretenir le jardin. Alors, entretenir, j'espère que ça veut dire que tu vas pulvériser aussi. Peut-être tout récolter. Oui, rentre chez toi. Et aussi, peut-être tout arroser. Bah oui, voilà, maintenant, elle est blasée, la pauvre, hein, forcément. 57. Non, ça n'augmente pas. On est super contents. Bah, dis donc, je sais pas ce qui se passe dans cette fusée, mais apparemment, ça s'éclate. Connexion perdue. Ok. Bon, Harry, je viens vers toi parce que t'es le seul à faire quelque chose. Et t'es le seul à augmenter 90%. Oui. Cette petite plante n'a pas du tout augmenté. Comment se fait-il? Bon, par contre, Mike, tu reviens un jour parce que là, je m'ennuie. S'il te plaît, reviens vite. 77%. Ah, il est revenu sain et sauf. Eh bien, écoutez, il va repartir aussi sain et sauf. Voilà, il est à 80%. On verra ce que ça va donner. Bon, bah en attendant, c'est soirée pyjama chez nous. À midi, soirée pyjama, c'est tranquille. Personne n'a été prendre sa douche et s'habiller. Ouh, nous allons pouvoir atterrir près des ruines, puisque la dernière fois, nous avons fait près de la jungle. Alors, atterrissons ici. On va prendre les objets. Ensuite, Sam, ma chérie, c'est bien que tu fasses rien. Sortie pas si facile. Bon, bah, rentre chez toi. Je disais, Sam, c'est bien, mais pour le coup, ça serait bien aussi que tu ramènes un petit plat pour tout le monde. Et vu qu'il en reste un, c'est parfait. On va poser ça là. Et Sam, vu que tu n'as pas faim, tu vas en profiter pour ranger tous les livres qui traînent. Mon petit Harry, passe aux toilettes, ça te ferait du bien. Je te garantis, ça peut faire du bien. Lui, il est parti manger, il a bien raison. Elle va peut-être trouver le chemin. Maud, tu vas pouvoir aller aux toilettes. Mais dis-moi, mon petit Harry, j'avais même pas vu que t'étais là, toi. Qu'est-ce que tu fais là? Alors que tu en es à 91%? Oups, génial. Ah, mince alors. Sam, viens ici et viens cuisiner un petit truc. Parce que je crois que l'autre truc, il est un peu périmé. Oh, on va faire des légumes en cocotte. C'est bien, ça. Allez, fais-nous des petits légumes. Et Harry, je suis désolée, mais je ne t'ai pas oublié. Tu vas venir faire des recherches. Oh, on peut fertiliser. Nous allons fertiliser. Oui, oui, oui. Allons-y. Oh non, les pauvres. Ne mangez pas ça, non. Laissez tomber. Les pauvres, ils sont tellement morts de faim. Alors qu'on est en train de faire un bon petit thon à la cocotte ou légumes à la cocotte, attendez. Voilà, regardez, je vous ai ramené un petit thon, là. C'est bon. C'est quoi? C'est pas sorcier. Qu'est-ce qu'il y a? Fuséologie? Oui, c'est Mike, il a réussi. Sam, viens les sauver, là. Nettoie ça. Nettoie toutes les assiettes. Et toi, appelle à table. Mince, il va vomir. Mince, Harry, je t'ai encore oublié, toi. C'est pas vrai. Bon, mangez un peu. Et ensuite, on s'occupe des autres.
Sam, reviens ici, faut nettoyer ça. Bon, et puis après, bah écoutez, ils ont l'air d'aller tous à peu près bien. C'est de la folie, en fait. Et j'ai même pas un petit truc à nettoyer ou à ranger. C'est triste, hein. Alors Harry, tu vas venir ici fertiliser de nouveau tout ça. Au lieu de t'occuper de débarrasser la table. Sam va venir nettoyer. Et toi, ma petite Sarah, devine où tu vas aller. Dans l'espace. On va explorer l'espace. Arrête de parler. Harry, me voici de retour. Ah, tu ne peux pas fertiliser ça. Mince, ça non plus. Ok, ça non plus, d'accord. Eh ben, on va faire celle-ci. Hop là, celle-ci, encore là. Et toujours fertiliser avec du persil. Et fertiliser ça encore. Et fertiliser ça aussi. Et juste pour le plaisir, j'ai bien envie de tout vendre. Commerce dans l'espace, ok. 4230, c'est pas mal, hein. On va livrer les produits. Dis-moi, 91%. Ah bah, allez donc. Fais des recherches. Allez, c'est parti pour une petite journée de recherche. Une bonne journée, d'accord. Oh bah d'accord, on a gagné 500. D'accord. Bon, je vais faire un petit tour. Ça va, ça va. Sarah, t'es déjà de retour en pyjama en plus. Non mais sérieux. S'il te plaît, change de tenue. Ça me va pas du tout cette histoire. Et on retourne. On va redémarrer les dinothermes, j'en ai aucune idée. Vous imaginez, en fait, il n'y a que lui qui doit faire des recherches et elle qui est partie dans une fusée et je dois attendre, voilà, ces petits trucs. Redémarrage, oui. Et les autres, ils ont rien à faire. Réussite, main verte. Harry, tu as fini. La lune des opprimés. On va avertir la planète. Et donc, vous l'avez compris, il ne nous manque plus que Sarah. Et tout sera fait. Le challenge va se terminer d'ici quelques minutes. Challenge qui n'aura duré que 2 semaines Sims, puisque là, actuellement, j'ai l'alerte comme quoi j'ai pas payé mes factures. Mais bon, génial. J'arrive, il y a Joey, il est déjà dans sa combi. Il s'est dit, c'est la fin déjà, on peut y aller, on rentre. Non, Joey, attends, on n'a pas fini. Il y a Sarah qui traîne du pied. Elle n'arrive pas à avancer. Allez, change-moi de tenue, c'est pas le moment de la mettre. Pas vrai, ça. En route pour Yatouane, oui. Bon, ça serait bien, quand même, que le dernier jour, vous soyez un minimum habillé. Va prendre ta douche, toi aussi. Toi aussi, arrête de danser. Va prendre ta douche. Mike, va aux toilettes. Ma petite Kelly, elle se donne, elle danse. Va prendre ta douche. Harry, il est content. Il est en train de dire à Joey, ça y est, j'ai fini. T'as vu, moi aussi, j'ai réussi. Et Joey, il lui dit... Enfin, Jerry, surtout, il lui dit « Ouais, mais mon gars, tu sais, moi, j'étais le premier à avoir fini. Alors, bon, voilà, quoi. Toi, avant-dernier, il n'y a pas de quoi frimer, hein. Franchement. Ah, Sarah, es-tu fière d'être la dernière? Je ne crois pas, non. On y retourne. Et pourquoi ce truc, à chaque fois, ça change? 83%. Mon Dieu. Eh bah. Ok. Ils ont décidé de tous mettre la tenue que j'avais préparée pour le départ. Mais alors, ils sont tous prêts avec, hein, franchement. Perdue dans l'espace. Ouais, ça sert à rien, regardez, elle est perdue dans l'espace. Elle va rester calme. Ma petite Sam, c'est presque que je te reconnaîtrai pas là-dedans. Mais arrêtez. Carte au trésor, vas-y. Suis la carte. Moi non. Kelly est fin prête aussi. Bon, c'est quand le départ, là, les gars? Maud s'est posée tranquille derrière la table d'échecs. Ah non, mais regardez-moi ça. Ok, toutes les filles se sont mises dans leur tenue de voyage. Super. Oui, et je parle bien de toutes les filles parce qu'il n'y a pas un mec qui l'a mis, quoi. Ah si, c'est vrai, il y avait Joey. Ok, Sarah, c'est bien. On y retourne, t'y es presque. Oh, elle a envie de faire pipi, la pauvre. Bon, c'est pas grave. Allez, vite, il y a tout le monde qui s'impatiente. 90%. Oui, je crois que nous avons terminé. Verser de l'eau ou construire... On va verser de l'eau. En plus, nous avons un nouveau extraterrestre. Oh là là, lui aussi, il est vraiment très très moche, hein. Oh. Non, c'est horrible. Bon, j'attends le retour de Sarah avec impatience. Et pour le moment, elle a l'air de vraiment galérer. Mais bon, ça la perturbe pas. Alors vite, tu vas aux toilettes. Oui, va aux toilettes. Et c'est mon petit Mike qui va venir améliorer et installer le trou de verre. Bon, pendant que certains vont aux toilettes et d'autres vont aller se coucher,
nos pilotes et copilotes vont finir notre dernière amélioration. Et demain, ce sera le grand jour. Et là, demain, vous pourrez mettre vos espèces de petites combis. Merci. Mike va devoir travailler dur. Mais heureusement que Sarah va venir l'aider. Oups, Sarah était surtout partie se coucher. Sarah, viens améliorer aussi le trou de verre. Ça y est, la dernière amélioration est posée. Notre équipage a rempli tous les objectifs. Bon, par contre, ils sont quand même dans un sacré état. Alors je pense qu'avant que le départ s'organise, tu pourrais peut-être aller aux toilettes. Hein. Enfin, te laver surtout. Toi, tu vas aller aux toilettes et aussi... te reposer. Bon, Sam, viens donc préparer à manger parce qu'il y en a certains qui ont très faim et vu qu'on va pas pouvoir partir vu que nos pilotes sont HS, on va faire un dernier petit repas. Sam, elle était tellement fatiguée que dans son bain, elle ne s'est pas lavée. Mais en même temps, elle n'est même pas partie dormir dans son lit non plus. C'est ça, mettez-vous en forme parce que il y a un grand voyage qui va s'annoncer pour vous. La journée risque d'être très longue. Voilà, pour ceux qui ont faim, c'est parfait. Oh là là, ok. Ok, t'as pas faim ? Vaut mieux, viens nettoyer ça, dépêche-toi, c'est horrible. Ensuite, les gars, il y a des trucs à faire, hein. On va réparer. On part pas en laissant cette station dans cet état quand même. Sam, quand t'auras fini, tu viendras nettoyer ça. Jerry, c'est parfait, t'as rien à faire, viens réparer de suite. Et Sam, tu viendras prendre une douche rapide. Ok, non mais t'es pas censée être fatiguée, toi? Si, elle est censée être fatiguée. Va donc dans les toilettes, prendre une douche rapide. Ensuite, Joey, si t'as fini, toi tu vas venir réparer celui-ci. Ma petite Kelly, tu vas venir aux toilettes et prendre une douche. Oups, on n'a plus d'électricité. Bon, tant qu'on peut prendre une douche, ça va, hein? Sam, bah, je dirais que tu viendras nettoyer vigoureusement. Ma petite Sarah, tu vas venir manger dans le noir bah, une petite portion. Maud, c'est une sadique. Elle regarde tout le monde nettoyer, elle fait rien. Tu pourrais au moins aller réparer. Harry, laisse tomber. Quand il y a de l'eau qui coule comme ça, ça sert à rien. Hein. Va aux toilettes. Non, Sam, arrête de boire. Mange une portion, s'il te plaît. Et ensuite, tu iras aux toilettes. Oh, c'est encore sale. Oh... Mike, viens prendre une douche rapide. Qui est là? Viens réparer ça. Je ne partirai pas tant qu'il y aura un truc qui est cassé. Ok les gars, je pense que tout est prêt. Tout le monde est OP. Alors c'est parti. Tout le monde met son uniforme. Ça y est, ils l'ont fait, la fusée est prête. Les explorations ont été effectuées. Notre équipage va donc pouvoir effectuer leur ultime voyage et retourner sur Terre. Malgré que cette mission ait pu être effrayante pour notre équipage, elle fut finalement une expérience formidable, marquée à jamais au fond d'eux. Oui, ils auront un lien qui va les unir pour la vie. C'est pourquoi ils n'ont pas pu faire autrement que de vivre proches les uns des autres.
Sam et Sarah se sont découverts des passions communes. Mike et Jerry sont devenus des adeptes d'entraînement sportif. Kelly et Harry ne se quittent plus. Alors que Joey, qui est tombé follement amoureux de sa petite Maud, lui a offert le plus beau des cadeaux.